Eh, Tim ? Ah ouais, il est toujours sur Jash ! Attends, ça veut dire que je peux jouer ce que je veux ? Allez, yes ! Salut à tous, c'est Lyop, et aujourd'hui je me fais plaisir. Je vais jouer mon stuff préféré et enflammer le Coliseum. Ah, et c'est ce stuff là. Allez, trêve de blabla là, comme dit l'autre. Et les pouces bleus, les abonnements aussi, hein. Et c'est parti pour taper des trucs. Salut YouTube, on va regarder un petit peu les dégâts, les petits damages. On commence par du moins 1000 mini à la destin. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est tranquillou, c'est sans puissance, c'est sans rien. Avec un petit peu de puissance, là, on peut tout de suite monter un petit peu plus haut à 2500. Oui, bon alors voilà, alors je vous laisse le 2700, je vous laisse le suspense pour tout ce qu'il y a à côté, hein, parce que j'ai clairement pas tapé enfin tout ce qu'il faut. On voit le suspense, on se commence direct dans les games, à tout de suite. On est contre un craft farming zone 40% feu, j'ai envie de me tirer de tirer les rideaux, bien sûr. On va tirer les rideaux tous ensemble face à ce crafeux. Voilà, est-ce qu'il nous met un état? Oui, ça va déjà. Ah oui, d'accord, c'est un terre en plus, ça a piqué très fort, mais en même temps, regardez. Bonjour monsieur, c'est la police. Bonjour, voilà, voici la destin de la police. Non boosté sur 40%, moins 700. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On va perdre nos PM, c'est ça? Non, il veut juste nous casser la gueule. Il n'a rien à faire de nous. Hein. Vraiment, c'est genre, on n'est rien pour lui. Hein. On est rien pour lui. Hein. Bah, super, hein, ça vaut le coup. Hein. Moins 2 PM, bah, génial. Te mets pas dans le coin là, mets-toi là. Merci. Je te remercie. Et on fait ça d'abord, hein, parce qu'on tape avec machin. Il faut pas qu'il puisse me retirer mes PM ou qu'il puisse me repousser, du coup, je vous propose une blague. Salut, c'est Tintoubia pour le prank. Bon, c'est le prank de l'emprise, et ensuite on la met là. Et comme ça, il peut rien nous faire. Je pense qu'il ne peut rien nous faire, là, actuellement. Voilà, c'était pour le prank. Est-ce qu'on met du 2900? En vrai, vraie question, est-ce qu'on met du 2900, hein? Avec une destin chargée, oui, enfin, mais il a 40%, enfin, il faut le respecter un peu. Ok. Bon, ça c'est pour nous taper, mais bon, il nous tuera pas. Est-ce qu'on met du 2900? Ce serait beau quand même. La vie serait belle. La vie serait magnifique. 1400 déjà de dégâts, mais je pense que ce sera pas assez. Hein. Attendez, on va mettre un coup de cac, je pense que c'est ce qui tape le plus fort. Attendez, là, on passe à 2000, c'est pas assez. Hein. Par contre, Rovita. Tiens. Moins 744 et moins 1 PM, on va précis. On va te mettre du moins 1400. 1600. Oh, attendez! Oh non, non, alors là c'est beau. Oh non, là. Oh non, mais. Oh, c'est un petit plaisir. Oh, c'est un petit plaisir pour nous. Non, mais attendez. Et les craft farming, il faut quand même. Non, je sais que vous vous sentez un peu impuissant. Enfin, pas impuissant, surpuissant plutôt. Mais il faut pas déconner quand même, hein. Faut pas déconner. On a mis un son de stats, il va falloir nous respecter à un moment. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, le petit plaisir du crit de la destin. Mouah, incroyable. Et salut YouTube, encore une fois, 199, je sais pas quoi vous dire. Hein, écoutez, plus là, sur mes derniers tournages, je ne suis que contre ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est ce sur quoi vous tombez normalement aussi, donc j'ai envie de vous dire maintenant. Hein, apparemment, c'est acté, tout le monde fait du colis 199, donc let's go. Hein. Let's go, let's go. Non, mais attends, mais là, il me respecte pas. Attends, où est-ce que t'es, toi? Il est où? Il pourrait être là-bas. Vas-y, est-ce que t'es là? T'es pas là. Voilà. Il est temps qu'on se respecte et qu'on se parle, en fait. Il faut qu'on se parle tous ensemble. Tiens, prends du 790 et je m'en vais, d'accord? Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter, monsieur. Piège scélérat, vas-y, attends, on va spec où il est. Là, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre, la D199. Écoutez, on va leur mettre des claquasses, hein, c'est bon. Ok, je joue piège funeste, piège répulsif, ok. Funeste, on fera pas vraiment d'intérêt, il va quand même m'attirer avec son machin. Moins 1700, bah oui, bah bien sûr. Non, mais effectivement. Là, vous en faites pas, il est passé derrière moi, là. Je le sens. Pour moi, il est là, regardez. MDR. JPP de LOL, JPP de rire. JPP de MDR. Attendez. Non, mais écoutez, c'est parce qu'en fait, j'ai un Wallhack. Ah, bizarre, j'ai déjà lancé ce sort actuellement. Non, mais j'ai un Wallhack, les amis, vraiment, désolé. Désolé d'activer mon Wallhack. Attendez, ouais. Non, tu ne bouges pas. Pas bouger, monsieur. Pas bouger, monsieur.
Ça me fume. Allez, le petit Wallach. Bon, c'est pour vous, hein, YouTube. D'habitude, je montre pas trop les strams, surtout quand ils sont 199, mais là c'est le Wallach. Et le Wallach, il voit le coup. Est-ce qu'il met du 2600, à votre avis, que l'explosion de son double? À tout moment, il se passe ça, hein, j'ai envie de vous dire. Il se passe tellement de trucs bizarres, maintenant, dans la vie, que... Allez, 2600, hein, mêlez-moi, hein, vraiment. Hein. Non, ça va. Effectivement, au bout d'un certain temps, il faut arrêter de déconner. Hein. Allez, explose, boum. Moins 1600, il le frappe. Moins 1200, mais T199, un peu de respect. Bon, allez, hein, c'est terminé. On va même lui mettre un petit coup de cac. Vas-y, c'est gratos. Petit coup de cac à moins 1100. Voilà, et ensuite, boum, bah, ouais, je sais pas pourquoi je précise. Hein. C'est parti, tiens, prends ta petite destin. Il y en a marre. Écoutez, est-ce qu'on tombera contre autre chose qu'un 199? La vie nous le dira. Écoutez, les amis, il y en a marre des SRAM. Il suffit. Il suffit. Salut à tous. Bon. Est-ce qu'on va le retrouver? Si je le retrouve tout le temps, vous voyez la vidéo. J'ai envie de vous dire, c'est tellement marrant de trouver quelqu'un. C'est tellement rare que let's go. Ouais, ouais, piège funeste, ok. Son double. Et une envie ou pas? Pas d'envie. On a presque envie de venir lui claquer. Hein. Bonjour! Ah oui, d'accord. Il avait prévu qu'il aurait prévu. Hop, moins 2 PM et la flamiche et on se barre. Vous mettre un maximum de dégâts à un SRAM avant qu'il s'invite, c'est une règle d'or. Et on met pas la destin, on la mettra ce tour-ci, hein, au moins comme ça, s'il invite, la destin, on l'a tout pile au bon moment. Hein. Faut que je dise ça, mais non, pas du tout, s'il s'invite, on l'a pas au bon moment, attends. Il invite deux tours, faut que j'attende ce tour. Le prochain tour, il sera visible, c'est ça? J'sais plus. Ah écoutez, on le trouvera invisible. De toute façon, on va nous dire pourquoi se casser la tête quand on sait qu'on le trouvera visible. Là on le trouve, hein. Regardez. Je suis arrogant maintenant, là le karma va être trouvé. J'ai trouvé une fois un SRAM du coup, je vais prendre le karma dans la tronche. Mais... T'es tout là-bas. Oh là là, la honte. Non. Non, pas comme ça. Il y a 100% mais il y a deux pièges ici. On va passer par là. Oh, c'est honteux. En 100% il s'est mis genre là. Pour moi il est là. Mais il est là! Mais non, mais MDR! Non, mais non, non, tu peux pas faire ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Oh là là, non, non, oh, je suis estomaqué. Je suis, mais dans une dépression noire. Je suis dans une colère noire. Aïe. Lui aussi. Mais ça va, c'est bien, moi comme ça, il a pas de ligne de vue. Je suis dans une colère noire, je vois les SRAM invisibles, je les connais par cœur. Mais là, non. Non, 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 la fuite, là, non, non, je suis pas d'accord. Personne n'est d'accord, là. Non, mais on est plus sur 1.29 où on spamme des pièges sournois et on court. Ah, ça, c'est cool. Ça, je suis content pour lui. Voilà. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais c'est le coup de cac. Et c'est la destin, parce que, voilà, il y a des moments dans la vie, il faut arrêter, je demande que ça cesse. Du coup, voici. Alors, on lui a livré beaucoup de dégâts par la poste, mais ceci n'empêche que on risque de prendre très cher. Voilà, parce qu'on va prendre une Prissy down, plus une coiffe de Ganymede down, et lui va pouvoir taper. Donc attention. Ceci dit, on a quand même une bonne solution, c'est qu'on a Revita, et on a l'emprise qu'on n'a pas utilisée. Qu'on pourrait à tout moment lui mettre une petite patate, une petite pression, ça se fait quoi. On fait quoi? On l'empêche de jouer, c'est gagné hein, je pense. Après 2500, sachant que je perds une Vita. Il peut pas sans vie, vas-y on va Revita, je pense qu'il pourra pas se casser. On va Revita, on va essayer de rester en vie quand même un minimum les gars. Si on reste pas en vie, un jour un grand homme a dit « si t'es pas en vie t'es mort ». Je prends des sacrées extorsions, mais en fait, en gros, ça s'annule. Parce que j'ai des malus dégâts cac. Wow, c'est pas passé loin, mais bon, encore une fois, c'est pour vous, YouTube. Hein. C'est un petit bonbon pour les yeux. C'est un grand homme hein, qui a effectivement dit ça. Très très grand, il faisait 1m90. Donc, effectivement, c'est gagné. Merci à tous. Et encore un SRAM, c'est pour vous les SRAM. Maintenant, je les lis. Je lis dans les SRAM.
Il y a des gens qui lisent l'avenir dans le gras de jambon. Bah moi je lis l'avenir dans les traves. C'est pas mal. On est contre un steamer, le 199, le basique, le gratiné, le magnifique. Il est présent, mais au moins on change de classe, et ça je suis content. La question c'est qu'est-ce qu'on va jouer en étant 199. Et bien souvent c'est des stuff crit, mais 4200 points de vie ça me paraît peu pour une... Ouais si, c'est un stuff crit. Hein. Il joue foreuse, donc il va pas nous debuff la puissance, c'est une bonne nouvelle, mais attention, il va falloir le tuer. Et ça, c'est pas dit, parce qu'il va se mettre du shield, et il peut s'empêcher les dégâts au contact. Donc du coup, ça peut être embêtant. Allez, on avance, on va mettre l'épée du Destin. La destinée du destin, de la destinée du destin. On va pouvoir s'amuser à mettre de la puissance et de la vitalité. Et prochain tour, on lui fonce dessus et on le tue. Voilà, c'est mon plan. J'ai pas d'autre plan. D'accord, écoutez, mon plan, il est simple. Il tient sur un bout de papier toilette. Mais qui dit simple ne veut pas dire nul. D'accord. Ah, il brise l'âme, ça commence. Bah, je vais tuer sa foreuse. Bonjour à toi. Moi, tu es foreuse. On va endurant. Ah non, bah non, bah ça c'est pas cool. Comment que je fais moi? Hein, il y a pensé à ça? Vas-y, on va faire ça. Moins 1500 sur sa foreuse. Ah non, moins 1200, non, c'est une blague. Voilà, il n'y a plus de foreuse. Faut arrêter les bêtises, monsieur. Vous mettez brise-lame, moi je veux bien. Tu mets la brise-lame, et ensuite, c'est moi qui brise ta lame. Il est contact? Me dis pas qu'il est contact. Ah, s'il était contact épée maudite, ça aurait été incroyable. Putain, aspiration qui est si fort. Je vais devoir bon, hein, je vais être obligé. Ah non, quoique. Si, je suis obligé de bon. Tiens, boum! Prends les damage. Ah non, quoique, attendez. Regardez. Boum. Oh là, quel plaisir menace, mais quel sort incroyable! Quel sort inventé par les dieux. On va pour lui mettre une grosse pression, c'est parti. Hop, petit boum boum. On va mettre un petit moins 1100, moins 2 PM aussi. Les moins 2 PM de Skuzga, croyez-moi qu'ils sont importants. Et c'est un moins 2000 qui est proposé, moins 1998 très exactement. Il reste 926 points de vie sur ce steamer. On peut donc techniquement le tuer en deux sorts. Et ça tombe bien, on a tout pile de quoi... Non, quoi qu'on en a pas... Si on a tout pile de quoi faire deux sorts grâce à la Ganymède, on va être en 13 PA, moins 3, on sera en 10. Donc on aura de quoi le tuer. Là, tout dépend de sa capacité à nous fracasse. On va perdre une Vita, donc on va prendre très cher. Mais je pense que ça tient. Hein. Ça tient le choc, ça tient le coup. Et effectivement, ça va tenir. Et on va pouvoir le finir avec un coup de cac. Et ça, c'est beau. Petit coup de cac des familles. Et bam ! Petit coup de hache. La hache barde de guerre, cette hache légendaire qui aura eu raison de ce steamer. Les dégâts ont été placés, la vie a été sauvée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, mets torgnole dans les commentaires. Allez, à plus.